je dois dire qu'il faut une sacrée paire de couilles pour comprendre assez, patron. Mais j'imagine que t'appelles pas pour ça. Tu veux que je te refile des informations et moi je veux bien t'aider. Mais j'ai comme qui dirait besoin d'un petit bout de main. Tu m'écoutes ? Un tocard qui se fait appeler le roi de Chinatown. C'est pas le genre à faire dans la finesse. Bref, j'aimerais bien que le roi abdique. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce roi, il habite dans la pagode en plein cœur de la ville. Sa grouille de flics qui surveille ses moindres faits et gestes. Il quitte rarement la foule, sauf pour aller voir son dealer dans une piole qui surplombe la place. Ah, il a aussi une chouette bagnole, une européenne, garée dans une allée pas loin. C'est tout ce que j'ai comme info. Rappelle-moi quand on aura fini, ok? Restez concentrés, vous deux. Vous ne pouvez pas pour glander. Personne ne doit monter ici sans mon autorisation. Attention. Okay. Circulez, monsieur. Ça fera 5,99. Attention, monsieur, n'oubliez pas votre monnaie. Oui, bien sûr que c'est moi. Pas de gras ici. Bienvenue chez Charlie. Vous voulez voir quelque chose? Ok. Ça fera 5,99. Vous m'en direz des nouvelles. Ok, Charlie, c'est dans la cuisine. Je sens là, sentez-moi ça. Vous allez voir, c'est un régal. Moi j'en ai mon cœur, j'aime pas le poisson. Allô? Hey. Sauce à l'huître, piment, brocoli. J'ai besoin d'une ambulance. Il s'est passé quelque chose de grave. Hey, oh. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Je cherche une information. Ça tombe bien, c'est mon business. Tu veux des infos, je te trouve des infos. Je vais te payer, bien sûr. Ouais, évidemment que tu m'as payé. Ça, c'est clair. Une fille qui s'appelle Victoria. L'agence en a après elle. Je veux savoir pourquoi. Non, attends. L'agence. Tu veux que j'enquête sur l'agence? Mais t'es taré. Ouais, t'es taré. Bon, et j'y gagne quoi? Ton prix sera le mien. Tes outils. Thank you.
à toi de jouer. Si tu entends parler de la fille, tu sais quoi faire. Je t'appelle. Ouais, tu m'appelles. Ok, donc j'ai posé des questions autour de moi. La seule réponse que j'ai eue, c'est un nom. Lex Dexter. Un industriel spécialisé dans l'armement qui semble avoir un intérêt particulier pour la fille. Il a investi les derniers étages de l'hôtel Terminus avec ses hommes. Inutile de te dire que l'endroit est bien gardé. Mais c'est pas ce qui pourrait arrêter un homme avec autant de talent et de ressources que toi. Je me trompe? Allez, bonne chasse. Je vous demande pardon, pas la peine d'être mal poli, je suis un des clients de l'hôtel. T'as de la merde dans les oreilles ou quoi? Je te dis que c'est privé en haut. Bouge ton cul, connard, et encore je reste poli. Oh, je suis désolé, Jack, mais ta chambre, elle n'est pas disponible pour le moment. Eh, hey, ça avance les réparations. Toi, tous ces mecs qu'on voit dans l'hôtel? Non, à part qu'ils occupent les étages du haut et que la sécurité est pire que pour les maires. Et t'as vu le gros Mexicain? C'est une vraie montagne, ce gars. Ça sent que le directeur se fait dessus. Ouais, il se passe un truc qui est pas net. Tu peux me croire. Genre un trafic de drogue? Oh mec, ce serait trop cool! Je pourrais m'en inspirer pour mon film. Oh la ferme, t'écris un film, toi? Mais arrête, tu sais pas écrire. Si, je te jure. Bon, tu le répètes pas, hein, mais ça parle d'un flic de la criminelle qui pourchasse un tueur en série qui a tué son partenaire. Sauf qu'aucun autre flic ne croit en l'existence du tueur en série. Un truc de ouf. Thank you.
veux bien aller arrêter ce vacarme. Oui, d'accord. Tu m'écoutes au moins? Je m'en tape. Tu sais, dans la vie, il y a les gens comme moi, et il y a les trous du cul. Et c'est pas difficile de deviner dans quelle catégorie tu te trouves. Ouais, un trou duc. Mais si trou du cutisme était un crime, bon il serait si en public. Encore, tu peux pas qu'on trouve un truc à castrer. Et on promènerait tes couilles en ville, comme si on fêtait la chute d'un dictateur. Il a ramené une bande de glory avec lui. Il a bidouillé l'électricité dans une fosse pleine de flotte, même pour $1 million. Bah ça, c'est Joe. C'est un peu une légende dans le coin. Il a été frappé par la foudre une fois. C'est pas les copains. Juste en claquant les doigts. Bien joué, 47. T'as de la ressource, mon salaud. Ouh, là, tu t'approches de la gueule du loup. Les gars que t'as croisés vont bientôt boucler le 7e étage. Tu sais, Lake Dexter, il aimait le peinard. Ce sera donc pas facile d'entrer dans la chambre 899 discrètement. Et pour rien arranger, il a un garde du corps vraiment coriace, qui aime pas du tout, mais alors pas du tout, les intrus. Ce serait pas con de t'arrêter quelques étages plus bas et de chercher un point d'accès plus subtil. Mais bon, pourquoi je me fatigue, hein? Un pro comme toi, t'as sûrement un plan en tête, non? Allez, fonce! Sécuriser les escaliers. Oui, oui. Fermé à double tour. Personne ne viendra déroger Monsieur Dexter sans notre autorisation. Bien. Et je veux aucun incident, compris? Il faut que tout se passe sans problème autant que possible. On ne boit pas, on ne se bagarre pas, et on ne saute pas les bonnes. Oui, t'as bien entendu. Ok, ok. Tu gardes ta bite dans ton froc, compris?
Yo. Ouais. Ouais, j'ai ce que tu vas demander. Tu plaisantes, ça ne m'étonne pas. Vous avez de très jolis pieds. Et lui, je m'y connais en pied. Et tu crois que je fais quoi, moi, cette... Ah, Ouais, oui, je suis sérieux. Je sais même pas pourquoi tu m'as appelé pour me demander ça. J'en ai assez de marcher sur des œufs. Mais tu n'es pas obligée. Je me suis vraiment investie là-dedans, tu sais. Et toi, on dirait que tu t'en fous. Mais je t'en ai donné du temps. Tu espères peut-être quelque chose de mieux. Oh, allez, t'as pas le droit de dire ça. Eh ben, alors, j'en sais rien. Il a fallu que je bosse le double pendant 2 semaines pour payer ce voyage. T'as pas aidé pour le loyer, ni les courses depuis 3 mois. Tu proposes jamais de faire à manger. Tu fais jamais la lessive, ni le ménage. Tu parles jamais. Ça fait des semaines que tu m'as pas touchée. Je pense que j'essaie de me rapprocher de Dieu, tu comprends? J'essaie de me rapprocher de super. Dieu. Allez-vous-en. Arrêtez-vous. Vous pensez vraiment que quelqu'un tomberait dans le panneau? Mon Dieu. Vous avez sécurisé les escaliers? Oui, oui. Fermé à double tour. Personne ne viendra déranger M. Dexter sans notre autorisation. Bien. Et je veux aucun incident, compris? Il faut que tout se passe sans problème autant que possible. On ne boit pas, on ne se bagarre pas, et on ne saute pas les bonnes. Oui, t'as bien entendu. Ok. Putain. Tu gardes ta bite dans ton froc, compris? Bonjour. Vous voulez que je repasse plus tard? Non. Entrez donc, je vous embêterai pas. Je vous laisse faire votre poule, bon? Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? Oh, c'est un secret. Ou pas, en fait. Ce sont des chaussures, c'est mon métier. Waouh, ça fait beaucoup de chaussures. Oui, c'est normal. Je suis vendeur de chaussures. Oh, intéressant. J'en ai assez de marcher sur des œufs. Mais tu n'es pas obligée. Je me suis vraiment investie là-dedans, tu sais. Et toi, on dirait que tu t'en fous. Mais je t'en ai donné du temps. Tu espères peut-être quelque chose de mieux. Oh, allez, t'as pas le droit de dire ça. Eh ben, alors quoi? Il a fallu que je bosse le double pendant 2 semaines pour payer ce voyage. T'as pas aidé pour le loyer, ni les courses depuis 3 mois. J'essaie jamais de faire à manger. De tu fais jamais la rapprocher de Dieu. Tu parles jamais, ça fait des semaines que tu m'as pas touchée. Je pense que j'essaie de me rapprocher de Dieu, tu comprends? J'essaie de me rapprocher de Dieu. Salut, ouais. Ouais, non. J'ai des tickets, tu sais bien. Quoi? Tu crois que je vais te les offrir? Bien sûr que ça va te coûter. Ouais, bah, écoute. C'est mon valeur de base, on ne ferait pas plus haut. Carrément, tout. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Je te filerai tes tickets. Tu sais, je m'allongeais sur le toit de notre véranda. Ouais, ça. Je regardais les nuages. Combien? Et j'écoutais ma sœur jouer. Oui, je peux prévoir une petite réduc alors. À l'époque. Ok, cool. Là, ça devient intéressant. Ok, je te rappelle. Salut, comment ça va? Ah, bien, merci. Et vous? Putain, la politesse enfoirée, c'est en mission.
Has evolved into one of the leading weapons manufacturers in the country and a pillar to the community of hope, where it all began. We employ 60% of the local. We employ 61% of the local adult population, build schools and hospitals, and support cultural initiatives, all in order to give something back to the town that gave us so much. Creation or destruction, building or demolishing. Yes, sir, at Dexter Industries, we've got it all. Send in your job application now. Dexter Industries, building a more high power tomorrow. We know that 9 out of 10 gun-related incidents occur in the home. But did you also know that 6 out of those 9 times, the gun was made by Dexter Industries? That's right. Dexter Industries has come a long way. From our humble beginnings, making concealed boot-sole switchblades, Dexter Industries has evolved into one of the leading weapons manufacturers in the country. Elle s'appelle Victoria. Et elle vaut un sacré paquet de fric. J'en sais rien. C'est une sorte de surdoué ou un truc dans le genre. Mais bon, peu importe. On entre, on l'attrape, et on la garde jusqu'à ce qu'il nous file la rançon. On dirait qu'elle sort tout droit d'un de tes labos. Ouais, ben, je me souviens pas t'avoir demandé ton avis. T'es vraiment un gros connard, tu le sais pas? Ton boulot, c'est de la boucler, de faire ce que je dis, et d'être belle. Et t'es vraiment belle, poupée. Bon boulot, Sanchez. C'est qui lui? C'est un flic, un détective privé? Oh putain, je ne crois pas. Oh, c'est qui alors? C'est pas un détective privé. C'est un putain de fantôme. C'est une légende. Le cœur parfait. Oh la vache. Quoi tu parles? Ce type, ça change tout, putain, ça change tout! Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bonjour,
Merde. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'improvise. Je m'as dit à ce pépita. Bonjour. Écoutez, on a mis un peu de désordre. Vous devriez nettoyer tout ça. Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Entre, ma jolie. En tout cas, j'ai pas perdu la main. Tu sais, y a rien qui me ferait plus plaisir que de te buter de mes mains. Moi, tu es le légendaire assassin, mais je suis pas sûr que ça servirait mes intérêts. Alors, non. Oh non. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Je me demande qui vont bien pouvoir accuser toi. Ouais, j'ai vraiment pas l'habitude de m'envoyer des fleurs. Mais putain, je suis un génie. Un putain de génie. Tiens, si tu veux boire. Non. Tout bien réfléchi. La tienne, enfoiré. Hey, Alex, ne fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Allez, chérie, tu feras mieux de te bouger le poing. Adios. Tout est en ordre.